Alors, 4h05. Il y a des Kikourou à côté. Hello. Tiji. Toto 38. C'est la télé. Et toi, c'est pour la télé. Kevin Kachan, 19. Voilà. Bon, ben, ça va être le départ. Hein. On va tout donner. Kilomètre 12. Il est 5h34. Alors, nous, là. On vient de se faire une super descente d'environ 1 km. Très agréable. Sinon, ben, ça y est, il fait jour. Tous les autres sont devant. Alors nous, en fait, il m'attend. Et tout va bien. Super agréable ce temps, pour l'instant. Alors, il est 6h du matin. 15 km 8. C'est super chouette. Les vignes. Voilà. Là, il y a une belle côte qui nous attend. On va faire demi-tour. Hop. Voilà. Sinon, tout va super bien. Nickel. Alors, 23 km 6. On arrive au ravito. Il est juste en haut de la côte. Il est 6h50. Bah, tout va bien pour l'instant. Il fait pas trop chaud, un petit peu frais. L'idéal. Arnaud m'attend toujours. Il est là. Et le ravito, il est un peu plus haut. Philippe est passé il y a 1 km. Il doit être 1,5 km devant à peu près. Voilà, voilà, sortie du ravito. Prochain point d'eau dans 7 km, ça c'est cool, ça va passer vite. Mais en attendant, une petite côte bien sympa. Voilà, je vais manger le petit bout de céréales. Et c'est reparti. À toutes. 28 km 6. Il est 7h30. 3h20 de course. On arrive dans 4 km à un point d'eau. Peu dur. Mais bon, 4 heures de course. 33 km 7, on sort du point d'eau. J'ai pris mes bâtons parce que je crois que ça va monter. Voilà, je suis toujours avec Arnaud qui m'attend. Et Philippe, 2-3 km. 38 km 23. Belle petite côte, hein, entrecoupée de petits plats qu'on peut courir. C'est... Ça va, ça se passe bien. J'ai sorti les bâtons. Il va être 39, j'ai l'impression que le genou de Arnaud va pas très bien. Il est là-bas. Pas le premier, mais le deuxième. Bon, on va voir. Moi, ça va pour l'instant. 5 heures de course, 41 km. Arnaud marche là-bas. Je vais l'attendre pour voir ce qu'il compte faire. Alors, bon, moi ça va, ça tire un peu dans les mollets, mais rien de grave pour l'instant. 43,3, un peu plus qu'un marathon. Je viens lâchement de l'abandonner Arnaud là. Je vais attendre un peu plus loin parce que il faut les boules. Bon, j'espère que ça va aller pour lui. Philippe m'annonce le ravito dans 3 km. Normalement c'était 50. Je me méfie maintenant. On va voir. Tout va bien. Arnaud est mieux. Il vient même de me dépasser. Je crois que le mieux c'est qu'on se sépare parce que un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Voilà, kilomètre 45. Alors, kilomètre 47, je repars du ravito où j'ai oublié mes bâtons. Donc j'ai fait un aller-retour. J'ai pris des bananes et des bouts de céréales. Voilà, 5h51 de course. Il est 10h du mat. Ceux du 40 partent là. Kilomètre 51,4. Une belle côte. Heureusement, c'est un petit peu embargé parce que ça commence à faire vraiment très chaud. Bon, nouvelle. Bah si, il y a Pascal qui s'est
tordu la cheville, donc il a fini. Ça, c'est pas de chance. Kilomètre 53,5. Je viens de se faire une super descente ombragée, comme je les aime. Alors nous, on a pas trop aimé, il est un peu derrière. Mais il va revenir. Voilà, tout va bien. Sauf le talon qui me titille. Mais bon. Un truc, c'est que j'ai passé la moitié. 53,6. Mais bon, sûrement pas en temps. Là, c'est 6h45. Mais il n'y en a pas encore pour 10h. Mais bon, on verra, c'est pas grave. 58,4 km. Je commence à vraiment avoir mal sous le pied. Il est 7h30 là. Je peux dire, il fait très chaud. Kilomètre presque 60. On a une queue terrible. J'ai cru que j'allais rester dedans. Philippe m'annonce le ravito à dans 2,3 km. Oh purée. C'est joli, mais... Là, c'est juste l'impression qu'il fait 50 degrés et que je vais exploser. C'est beau, hein? 62,5. Je repars juste du point de boule. Il y avait la femme d'Arnaud, c'est sympa. Arnaud, il doit être un peu de kilomètres derrière, mais le genou, c'est pas terrible. Moi, c'est pas terrible non plus. J'ai mal sous le pied là. Puis il fait chaud. J'ai bien rempli mes deux gourdes. On va voir. Je crois qu'il y a une super côte là. Et puis 17 km pour atteindre le prochain ravito. Voilà. Bon, c'est con, mais là je pleure comme une malade. Je viens d'avoir Philippe. Ils sont 3 km devant. 63, là, il reste juste un marathon. Alors, pour l'instant, je marche un peu, là, ça me fait du bien. J'aborderai la côte, et puis après, j'essaierai de courir un petit peu. Ça va mieux, mais c'est dur, hein. Vache, ça avance pas très vite, hein. 65,7 km, un peu moins de 9h. Je me pose à l'ombre. Un tout petit vent. Ça fait du bien. Bon, mais il me reste 40. Là, ça monte, donc je marche. Depuis le ravito, je marche. Et tous ceux qui m'entourent font pareil. 70 km, 9h38. C'est une immense ligne droite là. J'ai réussi à recourir un peu. Là, je fais partie du cours, je marche. J'ai pas de nouvelles des autres. Quoi. Kilomètre 76. Je viens de passer un truc de dingue. J'ai cru que j'y restais encore. C'est vrai qu'on marche à un demi à l'heure, je crois. Quand il fait 40 degrés. Et je crois qu'il y en a d'autres comme ça. Bon. Allez, je crois que bientôt c'est le ravito là. J'espère. J'ai pas de nouvelles de Philippe. Je crois qu'ils sont pas super loin de devant, mais peut-être que je vais les retrouver, ça me ferait du bien. Alors, kilomètre 78. Là on a eu le pompon, c'est les rochers avec les cornes. Super dur, super joli, mais alors super dur, incroyable. Je savais pas quoi faire de mes bâtons, ça finit par passer. Mais... Bon, ravito, je crois que c'est 3 km. La dame m'a dit 1,80 km. Je viens de repartir du ravito et
on s'est retrouvé avec Philippe. Voilà. Danilo et Cyril arrêtent. Nicolas se pose la question. Alors, kilomètre 87,7. Ça fait 13h12. On a un peu reculé, hein, mais on marche, on marche. Il n'y a personne devant, personne derrière. 92,40, 14h06. On vient d'avoir une combe terrible. Là, on n'en peut plus. 95,5. Pas 36e combe qu'on passe. Il en reste qu'une normalement. Et 9, 10 km, ça fait 15 heures.